détacher le humain. Nous devons vous servir. Nous décidons marcher ensemble avec vous. Que puissance couvre ça la matin. Détachez-nous de tout. Viens penser, pardonnez péché. Seigneur, Seigneur qui est déjà présent dans la sanctuaire, que Saint-Esprit soit capable de ensemble avec vous. Permettez que vous pas sorti, j'en ai été rentré. Seigneur qui est dans votre cabinet, Seigneur qui attendait nous, la caille. Que vous passez visiter au matin. Visiter tous les sens de l'église. Que ce service là, capable de service de bonne odeur. Dans les cieux, par la gloire que nous mérité. Amen. Amen. Assemblée est capable de debout, nous pouvons faire lecture sur le sang à la gloire de Dieu. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous apporte le nom. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Parole du Seigneur, il est visible au capable de chita. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin.
en œuvre de Dieu. Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, Dieu d'amour. This is a statute for Israel, a law of God of Jacob. This he established in Joseph as a testimony. When he went throughout the land of Egypt, where I heard a language I did not understand, I removed his shoulder from the burden. His hands were freed
the baskets you called in trouble, and I delivered you. I answered in the secret place of thunder. I tested you at the waters of Meribah. O my people, and I will admonish you. O Israel, if you listen to me, there shall be no foreign God among you, nor shall you worship any foreign God. I am your Lord, your God, who brought you out of the land of Egypt. Open your mouth wide, and I will fill it up. But my people will not heed my voice, and Israel will have none of me. So I gave them over to their own stubborn hearts, to walk in their own conceits. Oh, that my people will listen to me, that Israel will walk in my ways. I will soon subdue their enemies and turn my hand against their advisors. The haters of the Lord will pretend to submission to him, but their faith will endure forever. He would have fed them also with the finest of wheat and with honey from the rock I satisfied you. Amen. In his name, amen. I pray, amen. 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 Nous allons aller faire même lecture en créole dans Psaume 81 à la gloire de Dieu. Nous commençons comme ça. Chanter à quel content pour bon Dieu qui tout Dieu fasse nous. Faire fête pour bon Dieu Jacob là. Commencez chanter à bat tambour réo. Jouer belle musique sous guitare à banjo. Connaître trompette pour annoncer fête là. La lune la nouvelle, avec la lune en pleine. C'est une loi dans le pays Israël, c'est une loi, bon Dieu Jacob la baille. Bon Dieu te fait ça tourner une loi pour petit petit Joseph. Yo. L'élu te fait yo sorti dans le pays l'Égypte là. Moi t'as dit une voix, moi pas reconnaître qui dit comme ça. C'est moi qui t'es gros chat loup qui t'es sous les épaules non moi. C'est moi qui t'ai fait nous mettre païen yo à terre. Les nous t'ai en bataille. Nous t'ai relé, moi t'ai délivré nous. Moi répondre nous dans l'oreille, côté me caché ya. Moi t'ai relé ouais, ce qui pied nous y est avec. Les nous t'ai bon sous l'eau et bas. Côté me non, les m'a averti nous peuple moi. Peuple Israël, pour qui ça nous pas voulez côté me. Puis qu'à nous jamais servir l'autre bon Dieu, puis qu'à nous jamais adorer bon Dieu l'autre nation. Yo. C'est moi-même qui Seigneur, bon Dieu nous roi. C'est moi-même qui te fait nous quitter le pays l'Égypte là. L'ouvre bouche nous, ma pleine avec parole moi. Mais peuple moi, pas côté, peuple Israël là, pas obéi. L'aime ça, moi qui te suivre l'idée yo te gain dans la tête. Yo. Moi qui t'ai fait tout ça, je t'ai voulu faire. Aïe, aïe, aïe. Si peuple moyen, t'ai voulu écouter, si peuple Israël là, t'ai voulu obéir moi, avant que t'a battu Géo, moi t'a fait l'ennemi au moins. Moi t'a crasé tout l'ennemi, moi, mon qui raille Seigneur, t'a vu flatter. Peuple Israël là, t'a pas à l'aise pour tout le temps. Moi t'a pas eu plus bonne qualité manger que manger. Je t'ai appelé ventre avec mon sirop miel qui est sorti dans ton roche. Parole du Seigneur. Amen. We sing praises to your name. Yeah.
Chanter la gloire de Dieu. Ici par bonheur suprême, avec Dieu, je ne vis. Yeah.
gagne un papa qui ne l'aime pas. Il n'y a pas de gens qui témoignent n'importe côté. Est-ce que vous prenez papa grand et non? Moi, gagne un papa. Parce que vous avez une douleur qui est tellement atroce.
Seigneur, qu'on s'abou, Seigneur, c'est dans tes têtes, tu es malade. Jean que pasteur va prier ma terre. Que ça, c'est dans le cerveau. Que ça, c'est dans le ventre. Que ça, c'est dans le pied. Qu'on s'abou, tout Seigneur, qui est malade dans tout le corps. Le fait que nous connaissons que c'est docteur. Vous êtes docteur par excellence. Et vous êtes spécialisé dans toute branche. Pour être ça, nous reclamons, Seigneur, aide-nous à travers la vie, mon Seigneur. N'importe monde qui vient là, Seigneur, avec un problème quelconque, avec une douleur quelconque, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, permet que Seigneur les soulage et guérit au nom de Jésus. Parce que on te fait ça pour Batimé. Seigneur, on te fait ça pour les délinquants, pour te guérir. Seigneur, la Bible dit que on ne peut pas changer pour immuable. Seigneur, même ça, on te fait pour vous, hein, pour capable de faire le jour en tout. Il suffit que nous mettons confiance dans le Seigneur et nous avons un bonheur et bonté au Seigneur. Nous remettons tout le service à nous, au foin qui vient pour faire. Parole qui vient pour parler, serviteur au Seigneur. Tant pis, s'il vous plaît, permettre que le Saint-Esprit soit capable de guider le Seigneur et paix pour qu'il vienne. Et on va bénir nos musiciens, Seigneur, nous remettons dans les mains. Nous comptons sous grâce au Seigneur. Et ça que nous demandons, nous attendons au nom de Jésus-Christ. Nous prions comme ça, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous avons des mérites pour ça. Et puisque nous croyons, c'est nous-mêmes qui sommes capables de faire tout pareil. Nous remettons la vie. Nous. Merci, Seigneur. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur. Merci pour toute bagaille, Seigneur. Passion, bon dimanche avec le Seigneur. Merci beaucoup. Yeah.
Melody, my melody.
C'est bon,
passé. Et bien, là, nous changer. C'est vrai que qui n'a pas qu'à faire ce c'est une moyenne. Mais lorsqu'on j'ai fait ça, on dit pas changer. Tout le monde te dit pas changer. Pourquoi est-ce qu'on dit que tu n'as pas là, oui? Mais tu comprends que tu dis pas changer. La mandi assemblée est capable de mettre debout, nous allons chanter maintenant au bon sauveur. Conduis dans le chemin de sa vie. Avec vous, pas besoin de paix. Dans où seul, moi joindre la vie. La mandi est capable de mettre debout pour capable de faciliter pour déplacer. Et déposer au fond d'eau à la gloire de Dieu. Avec vous, pas besoin d'aide.
Simplement, Saint-Père, nous devons majesté béni, on nous dit merci pour grâce, merci pour amour. Merci pour tout ça que tu es en fait dans le service. Merci pour Saint-Esprit qui est présent ensemble avec nous, Seigneur, mon Dieu. Mes serviteurs qui ont pour ouvrir parole, pour parler. Pas quitter le parler de lui-même, mais faire parler de vous-même. Chaque salvati, vous va utiliser l'éternel, mon Jésus, comme un instrument éternel, mon Jésus, papa. Pour parler dans nous et nous-mêmes nous va édifier, nous va joindre une grande parole qui va nourrir dans nous. Nous réclamer présence ou concernant nom Jésus. Amen. Amen. Nous on dit bon Dieu merci pour possibilité de nous matin encore pour nous parler dans nos vies. Nous toujours dit à chaque chance nous joindre pour nous parler dans nos bon Dieu, c'est une faveur inévitée. Matin. Je vais seulement faire un développement avec une conclusion du message moi. J'ai déjà fait midi 5. Nous sommes en route. Maintenant, nous voulons parler d'un personnage. Il y a le Jésus. Jésus. Nous songeons dans quelques mois de cela, nous avons défini le nom de Jésus. Nous avons défini les 5 lettres. Qui était composé dans Jésus. Mais maintenant, nous parlerons quelques caractéristiques définissant de la personne de Jésus. Quelques caractéristiques. Sans aucun doute, Jésus-Christ est le personnage central de la parole de Dieu. Il est important d'examiner la parole de Dieu en observant certains des éléments dont nous parlons. La Bible au sujet de Jésus. Ce matin, nous allons considérer quelques caractéristiques à la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Selon Jean chapitre 10, verset 35, Jean chapitre 10, si on apprend l'autre, on apprend l'autre parce que nous allons quitter en développer chaque verset, mais nous allons pour nous bref, pour nous voir, étant comme le Fils de Dieu. Jésus-Christ, Jean chapitre 10, verset 35-36. Si elle a appelé de ceux qui a la parole de Dieu a été adressée, si les critiques, Jean chapitre 10. Ok, au nom du verset 36 là. Celui-ci que le Père a sanctifié est envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Nous nous avons parlé en pile lorsque Jésus-Christ dit, c'est petit, bon Dieu. Dans Luc chapitre 1er, verset 35. Luc chapitre 1er, verset 35. Luc chapitre 1er, verset 35. Nous avons regardé. Verset 35, on dit comme ça. L'ange répondit. Chapitre 1er, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut le confiera. Dit son ombre, c'est pourquoi les saints enfants qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Il y a encore dans Matthieu chapitre 3, verset 16. Ça, c'est un verset qui base central la Bible. Car Dieu t'a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils aîné, afin qu'il comprenne qu'en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Dans Matthieu 17, verset 5, dans Romains chapitre 1, verset 1 à 4, Jésus-Christ est appelé le Fils de Dieu. Non seulement Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde. Le Sauveur du monde. Dans Jean 1, Jean 4, verset 14, Jean 12, verset 47, Romains 10, verset 9, à 4, verset 12. Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Non seulement Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde. Jésus-Christ est Seigneur. Dans Philippiens chapitre 2, verset 9, et dans verset 11, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24, verset 28, Jésus-Christ est Seigneur. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur, il n'est pas créer le monde, la terre et tout ce qu'elle enferme. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas mourir et ressusciter pour nous la vie éternelle. Non seulement Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde, il est le Seigneur. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Colossiens chapitre 1, verset 18, Éphésiens chapitre 4, verset 15, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, verset 14, verset 18, verset 27, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Jésus-Christ est le chef de l'Église, que nous-mêmes nous faisons partie aujourd'hui. Si Jésus-Christ est lui-même qui chef l'Église, c'est lui-même qui bat nos espérances tout. Dans Jean chapitre 14, je vais chez mon Père, je vais vous préparer une place, afin là où je suis, vous y soyez. Il est le chef de l'Église, c'est l'espérance de l'Église, parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui chef nous, c'est lui-même qui met nous, c'est lui-même qui sauve nous. Non seulement Jésus-Christ est le chef de l'Église, Jésus-Christ, c'est la seule voie vers Dieu. C'est peut-être ça le dit dans Jean 14, verset 6. Si un monde passe par moi-même, ou pas, car oui, papa. Parce que papa n'a moi, et moi-même n'a papa. Non seulement Jésus que c'est chef de l'Église, il se vrai, il se seul chemin qui mène le monde beaucoup de bon Dieu. Jésus-Christ, c'est lui-même qui médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ qui est capable de mener nous devant bon Dieu. Après, nous connaissons Genèse chapitre 2. Après Adam avec Ève, tu fin péché. Et bon Dieu te promulguer des lois pour être capable de punir nous. Après nous finissons faire ça qui n'est pas bon. Et puis qu'on y a Jésus-Christ, après bon Dieu, finité, parole, yon fin chita ensemble, yon planifié. Yon dit, nous créer l'homme à l'image nous. Nous pas d'adoué, perdit les hommes. Et puis Jésus-Christ dit, papa, m'a accepté pour me finir, pour me bailler la vie, pour me capable de sauver l'humanité. C'est Jésus-Christ qui est capable de bailler la vie. Sans Jésus-Christ, on n'est pas capable de sauver. Sans Jésus-Christ, pas de monde qui est allé dans le ciel. Frère Seigneur, le ciel est réel. Il y a des gens qui ont pensé, les gens ont parlé de la vie éternelle, vivre avec Jésus, ce sont des fables. Les gens qui pensent que le ciel là, a fait parler du ciel, sont barrés, c'est fablier. Les gens qui pensent que le ciel est réel. Le ciel est réel. Amen. Parce que, l'air que vous mourrez, quand ça,
l'idée pour retourner dans la poussière. Mais l'âme, l'idée pour retourner côté bon Dieu. Et côté bon Dieu demeuré, c'est dans celle-là. Côté de Jésus-Christ dit, t'as pas préparé une place pour nous, c'est côté papa. Mais si que Jésus-Christ dit, je vais chez mon Père, je vais vous préparer une place. Là où j'y suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire que le ciel est réel. Pas de monde qui a parlé dans le ciel là avec pied cassé. Pas de monde qui a parlé dans le ciel là avec jeu pété. Pas de monde qui a parlé avec dans le ciel là avec douleur encore. Car nous tous, nous serons semblables aux sages. Le ciel est réel, même si vous êtes chez vous blancs ou grand monde. Comment tu es, comment tu vas aller jouer le bon Dieu, comment tu ne vas pas parler avec cause douleur encore. Comment tu seras jeune. Amen. Elle sera jeune. Elle sera rajeunie. Le ciel est réel. Pendant que nous avons fait plan, parce qu'il y a Paris, c'est moi qui ai eu pour coucher dans des dimanches. Et quand je me suis couché, je suis tombé, je suis dormi, je me fais un rêve. Je n'ai pas de vision, je dis un rêve. Et puis je me suis dit, frère Georges Renaud. Tout le monde est habitué à frère Georges Renaud. Et puis je me suis rencontré à frère Georges. Et puis je me suis dit, frère Georges est devenu jeune. Et puis je me suis dit, frère Georges, ça fait mal, l'autre mot, je ne suis pas en Haïti. Et puis je ne suis pas chasse ma sister à finir là. Je me dis, frère Charles, je suis dans le bon chemin. Alléluia. Moi, frère Georges, tellement jeune. Frère Georges, bon garçon. Et puis, on dit, oh, c'est pour ça, ciel-là, l'homme dans le ciel-là, pour bon Dieu. C'est pour son belle, c'est pour son beau. Frère de ce mur, le plus souvent, nous ne pas comprendre le destin de Dieu. Le destin de Dieu pour l'humanité, c'est son la félicité, la béatitude de Dieu. Papa nous crier, parfois problème nous fait nous perdre, courage, fait nous oublier qui est sa servie. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons un avocat auprès du Père, qui est Jésus-Christ, le médiateur. Qui paye nous défend. Le ciel est réel. Nous avons parlé de l'armée céleste, les anges. Nous n'avons pas qu'à comprendre les choses célestes. Et dans ce même nuit, et puis nous avons l'armée des anges qui a défilé. En Haïti, moi qui t'ai habitué dans les milieux ruraux, ils ont toujours allé. On sait des petits bêtes absorties, les grands roues, ou est absorties dans le nord-ouest, ou pas les vélas tibonis, ou bien ou est côté qui vient, puis nous faisons plus de plantations, planter maïs, ou est bon, soit sous ça, à voler, y a pas aller, y a pas chercher. Et puis c'est pour ça, dans la même vision, ça, nous avons la messange qui a sonné les trompettes de Dieu. Il y a des anges puissants, il y a des anges qui pas puissant, même je vois l'étoile dans le ciel là, il y a une étoile qui plus brille que l'autre. Et puis moi, des anges, des séraphins, des chérubins qui ont déployé à mon nom la vie céleste. Oh frère Axomio, le ciel est réel. Si au monde observe mon Dieu, les circonstances de la vie capable de finir. Mais pas oublier Jésus-Christ, il fait une promesse. Pas quitter les choses de ce monde, il faut perdre la promesse. Ça. Pas quitter les choses de ce monde, il faut oublier. Il est le médiateur. Il est le seul chemin. Il est notre chef. Il est le Fils de Dieu. De même, Jésus-Christ est le pain des vies. Le pain de vie, c'est le pain qui nous donne la vie.
En plus, le monde, nous avons un peu de monde qui toujours employé parole ça, fin États-Unis, vient chercher la vie. Mal de l'autre côté, mal chercher la vie. Soit chercher la vie, c'est Jésus-Christ qui la vie. Sous base, ou vient États-Unis, on cherche la vie meilleure. On la vie qui meilleure. Mais ou pas qu'à chercher la vie. Sous pas de Jésus-Christ dans la vie. On cherche au bagage pour satisfaire, quoi, ou besoin d'argent pour payer bill ou pour vivre bien. Mais la vie, ou, si pas de garantie. Jésus-Christ est le pain des vies. Selon Jean chapitre 6, verset 35. Jean 6, verset 47, verset 43. Jésus-Christ. Non seulement Jésus-Christ est le pain des vies, non seulement Jésus-Christ est le médiateur, non seulement Jésus-Christ est la voie, est le chemin qui nous mène à Dieu. Jésus-Christ est la lumière de la vie. Quand Dieu créa les cieux et la terre, il y a un vide, il n'y a pas de différencier la nuit et le jour. Il te dit que la lumière soit. Et puis il y a ce qu'on appelait les jours. Et puis, côté qui fait noir, il est venu la nuit. C'est la même chose dans la vie. Si on parle de Jésus-Christ comme lumière, quel que soit le chemin qu'on fait, on va tomber dans le mouton quand même. Bye-bye. Quel que soit le chemin qu'on fait, on va souvent frapper pied. Nous songe ici c'est un bon pays, mon gain lumière, mon ouais, lumière, lumière, tourner fort, nous pas un problème. Mais mon qui habite, tu es dans le milieu rural, quand ça a les faits noirs. Des faits noirs, c'est parce qu'on habitué à une zone qui faut qu'à sauter, qui faut qu'à aller contre nous aller. Mais des fois on parle pas, on garde frappé dans roche, on garde frappé dans pied, parce que c'est pas ouais. Gede fè noir m'kon noël, gede mon ki kontan de fè noir et fè noir. Gede fè noir ki paraît nan la vie ou fè ak sèm yo, ou pa ou de yon pa ou de. Yon sel bagaj ki an fè. Gede Jésus. Fè noir, gede bagaj ki naturel, gede bagaj ki surnaturel. Je ne vais pas parler de lumière, je ne vais pas parler d'ampoule électrique à clairer. Je ne vais pas parler de lumière qui peut clairer la vie ou lumière qui peut conduire dans le bon chemin. Il y a des problèmes qu'on a dans la vie, il est tellement difficile pour ne pas ouais. Il y a des fois, il y a des gens qui disent, Seigneur, je ne parle pas devant, je ne parle pas derrière. Lorsque vous parlez de vous, vous parlez de qui soyez, ou non, fait noir. Ou non, difficulté, ou pas raconter pour faire. Il y a des fois, même tellement pas ouais, c'est crié, tombé crié, ou tombé relé, ou tu ne parles pas de voir, ou pas raconter pour faire. Mais, ce qui est Jésus-Christ dans la vie, est encore lumière, là, mon tour, côté pour passer. Même si toute porte t'a fermé devant, même si tout chemin t'a fermé devant, même si tout t'a fermé devant, avec Jésus, ou pas besoin de peur, ou pas sorti quand même. Parce que Jésus-Christ est la lumière qui nous donne la vie. Non seulement Jésus-Christ, c'est lumière. Jésus-Christ, c'est porte. Qui mène nous devant mon Dieu qui met la vie des mêmes. Il est la porte qui nous mène à la vie éternelle. Il est la porte qui nous conduit vers Dieu. C'est Jésus. Dans Jean chapitre 10, verset 7, verset 10, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, verset 4, Jésus-Christ présente, Paul présente Jésus-Christ comme la porte. Et Jésus-Christ présente lui-même comme porte. Je suis la porte qui mène à la vie. Le plus souvent, quelqu'un qui me dit, si porte ça ferme devant, ma ouvre l'autre porte. Mais quelqu'un porte si je ferme devant, pas l'autre porte au cas où vous-même.
Si Jésus qui fait des portes de vous, frère, ce mieux, ou pas aucun porte qui a ouvert de vous. Ou mettre les amis, ou mettre les patrons, ou mettre les tout ce qu'on est bien. Et puis c'est Jésus qui fait des portes là, il fait même. C'est ça qu'il dit, je suis la porte, l'unique porte. Il n'y a pas deux portes. L'unique porte, je suis la porte. Ça veut dire que si Jésus-Christ ferme la porte devant, ou pas les autocars. Si nous ferme la porte devant, tant que nous dans le building là, si deux portes devant ça vous ferme, on passe l'air. Si la porte à droite, à gauche, on ferme, on passe n'importe ça. Mais les Jésus qui ferme la porte, et puis ça fait bien là, il ferme la porte toute clé. Non, mais. Si la porte ferme, on va aller passer c'est nous, on va aller passer à Jack Taï. On va aller dedans, il vient ouvrir pour moi. Mais les Jésus qui ferme la porte devant, il vient de clé, non, mais. Et puis pas de monde qui va ouvrir la porte là. Ça veut dire que vous réactionnez mieux. L'important pour nous connaître Jésus-Christ, c'est lui-même qui lumière, qui conduit nous à la vie. Jésus-Christ, c'est lui-même qui porte, qui est capable de mener nous devant mon Dieu. Ce n'est pas lui-même pour passer, pour aller devant mon Dieu. Ce n'est pas lui-même pour passer sous besoin sauvé. Non seulement Jésus-Christ est porte, mais c'est le bon berger. Selon Jean chapitre 10, verset 11. Verset 14, verset 15. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Jean chapitre 10, verset 27, verset 29. Jésus-Christ est le bon berger. Nous songez, l'homme des trois jeunes, nous devons faire la différence entre un berger et un mercenaire. Mercenaire, combien qu'on montre qu'il y a un problème? Il pas chercher moyen pour défendre mouton yo. Yo seul bagage il fait, il prend mou, il prend manchette li courir. Parce qu'il dit si ba dans défendre mouton, lui au ca manger mouton. Si ba dans défendre mouton, elle lui au ca touyer, m'pa qui est de mouton yo, ben chercher moyen sauver la vie. Jésus-Christ étant comme le bon berger, il a donné sa vie à la croix du calvaire pour nous. Capable de sauver. C'est le bon berger. Il a laissé son sang couler. Il a donné sa vie en rançon. Pour nous capables de la vie qui ne peut jamais finir. Yo, mais ce n'est pas la fin. C'est parce que Jésus-Christ, c'est le bon et l'unique. Je ne dis pas bon berger seulement, mais je dis bon et l'unique berger. C'est celle-même qui a fait ça. Non. Il a accepté pour clouer sous quoi? Il a accepté pour porter couronne, piquant sous foule. Il a accepté pour maltraiter. Il a accepté pour crucifier. Pour qui? C'est pour moi-même. C'est pour vous-même. Capable de gagner la vie. C'est Jésus qui a été immolé à la croix du calvaire. C'est pour notre faute, pour nos fautes, pour mes fautes, pour tes fautes et pour vos fautes. Il a été crucifié et pour nous la vie. Éternel. C'est pour cette raison ça, étant comme le bon berger, le Fils de Dieu, la porte qui nous mène à la vie éternelle, il a proclamé ses paroles. Quiconque croit en moi, tu as la vie éternelle. N'importe qui monde qui croit dans Jésus-Christ, quelle que soit la couleur, quel que soit le degré de connaissance, quel que soit le milieu où habiter, quel que soit le lien parenté, de pouvoir jouer avec Jésus-Christ,
la baou la vie éternelle. Amen. Non, il ne peut pas garder mon sous couleur. Non, il ne peut pas garder mon sous taille. Non, il ne peut pas garder mon sous lien parenté. Mais il a accepté pour le bail n'importe qui qui a accepté, qui croit dans lui pour le baou la vie qui pas jamais fini. Frère Semio, qui choix, de qui on nous fait choix? Qui est ou accepté pour marcher avec lui dans cette vie? La vie terrestre est une vie très très courte. La vie terrestre est une vie très très malheureuse, très très misérable. Où est l'eau faite, ou pas prêté pour tout le temps, ou à passer. Mais est-ce que ou bien la vie qui garantit dans Jésus-Christ? Et chaque monde qui l'a matin, tu dois prendre conscience pour demander est-ce que j'ai Jésus-Christ dans la vie? Et il va passer aux abras pour dire, c'est moi-même qui porte, qui mène le monde devant papa. Son monde pas choisi passer par moi-même, ou pas chambre papa. Alors, ce matin, nous voyons qui yes qui Jésus-Christ a. Nous parlons des discaractéristiques de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Jésus-Christ, c'est le seul qui chemin qui a mené le monde dans le ciel. Jésus-Christ, c'est le médiateur entre l'homme et Dieu. Jésus-Christ, c'est le pain qui baille la vie. Jésus-Christ, c'est la lumière qui peut éclairer la vie, non. Jésus-Christ, c'est l'une porte qui nous conduit vers Dieu. Et Jésus-Christ est l'unique et le bon berger qui donne sa vie pour nous avoir la vie éternelle. Frère Semio, maintenant, comment considérer Jésus-Christ dans la vie? Est-ce qu'on reconnaît Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu? Est-ce qu'on reconnaît Jésus-Christ, c'est sauveur dans la vie? Est-ce qu'on reconnaît Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est Seigneur dans la vie? Est-ce qu'on reconnaît Jésus-Christ, c'est lui qui chef, nous qui chita la matin? Est-ce que nous reconnaissons Jésus-Christ, c'est lui-même qui yon médiateur, en nous capable de dire, yon monde qui est capable de défendre nous, yon monde qui est capable de mettre en contact avec bon Dieu? Est-ce qu'on accepte que Jésus-Christ est Père qui baille la vie? Amen. Est-ce qu'on accepte que Jésus-Christ est le seul qui lumière, qui est capable de nous dans le vrai chemin? Amen. Est-ce qu'on reconnaît Jésus-Christ est le peuple qui mène le monde devant mon Dieu et la seule porte? Est-ce qu'on reconnaît que Jésus-Christ c'est l'unique et le bon berger qui a donné sa vie à la croix du calvaire pour sauver nous des déserts et du péché? Que bon Dieu dans son amour. D'ailleurs, vous bénissez et gardez-vous. Amen. Est-ce qu'on remercie le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on remercie le Seigneur? Amen. Amen. Mes chers amis qui l'ont atteint, fais une petite réflexion. Vous dites-moi, qui s'agit Jésus pour moi? Ce matin, on va gagner le Seigneur comme sous-sous. Prends une décision qu'on y a maintenant. D'encourager, on fait ça. Quittez ça là. Ça, on va faire Jésus. Nous en mieux. Ça, on va faire le Seigneur. Le Sauveur. Le Seigneur prend soin pour le parler avec vous-même. La divinité, nous pouvons terminer le service là. Tadamana. Réflexion sacrophèle. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos vers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. 248, Madame Campé, si la ville de Dieu fait à vous-même. On va passer devant
il a écrit avec vous, il a conduit vous tout le royaume éternel de Jésus-Christ. Le 58, vous chantez. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. La vérité à la vie, vous êtes petit mon Dieu, ou c'est sauveur, ou c'est la porte. Elle a pris que chaque tâte de voir matériel. Réaliser ce romain, il n'y a pas qu'à faire rien. Il va dire dans la vie, dans l'homme, dans l'esprit. Il va retourner pour l'église. Il va parler pour le verbe. Alors Jésus nous prie. Amen et amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, c'est Dieu. À lui seul, soit la gloire, l'honneur, la puissance, dès à présent et pour toute l'éternité. Allez avec bon Dieu, il va accompagner sur la route. Salut, nous, Dieu, au Dieu, au Dieu.